Et yo les gens, c'est The Phoenix, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en vrac et on se retrouve sur Xbox One sur Payday 2. Alors on avait déjà fait des vidéos dès le début de ma chaîne, donc en Florentin 7096. J'avais fait des vidéos avec des amis et je fais une petite vidéo en vrac parce que j'aime bien ce jeu-là. Donc aujourd'hui, je me dis, allez, c'est parti, petite vidéo sur un jeu où j'avais bien apprécié à l'époque et qui est toujours bien. Hein, garage, contrat, on va faire un contrat, comme ça ira plus vite. Pillage nocturne, comme d'habitude, on va faire peut-être pas en overkill, ouais, je pourrais presque le faire en peine de mort. Mais ça mettrait trop de temps. Donc on va faire en très difficile. Donc normalement il y a 6 sacs normalement. 6 sacs à récupérer. Donc bon. Donc on va y aller comme d'habitude. Donc bon, je risque d'être un peu rouillé. Donc je me gourre, c'est pas grave. Voilà, c'est une vidéo en vrac. Je pense que pour les titres maintenant des vidéos du vendredi, je mettrai vidéo en vrac et avec le titre du jeu. Mais voilà. Donc abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, mettez la petite cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour une petite virée. On va mettre la tyrolienne comme d'habitude et la surveillance. Je fais le toit. Je sais même plus ce qu'on avait fait, qu'on prenait. Je crois même que c'est stockage petite marchandise. Pourquoi je peux en faire plus là? Livraison spéciale, renfort, surveillance. Bon, c'est bizarre. D'habitude, on peut faire que deux faveurs et restauration pour total pour vous. Bon, on va remettre dans le truc à stockage. Ouais, hop. Ah ouais, bah tiens, je savais même pas. Peut-être qu'avec les points que j'avais fait à l'époque. Donc c'est parti pour un petit braquage. Toc toc toc. Ah, il faut. Ouais, pardon, 7 sacs. Alors c'est ouvert par là. On fonce. Il y a une caméra là normalement, mais elle y est pas. Donc. La porte, elle est fermée là, en espérant qu'on ait. Je le mets à terre. Je parle au beeper. Je crois pas que j'ai l'échelle. Je crois pas. J'ai pas vu. Non, j'ai pas d'échelle. Y a pas Michel, y a pas Michel, y a pas l'échelle. Alors, on va aller directement à l'intérieur. Oula. Oula. Doucement, Flo, doucement. Hop. Donc, comme vous le voyez, les caméras que j'ai mis font que je détecte les personnes, donc les flics qui sont à l'intérieur. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Toujours accroupi quand on rentre là-dedans, hein, parce que voilà, la cocaïne. La petite cocaïne. Alors si je peux, je ferai un peu plus. Donc je ferai par exemple 10 minutes. Donc quand au-dessus, vous voyez, il y a 1 minute 50. Donc dès qu'on arrivera à 15 minutes, on arrêtera la vidéo. Hein. Je vais pas.
Piquet, tu. Alors là, c'est le gars qui surveille. Lui, pas de chance, faut le plomber. Lui caler une balle dans la gueule. My mistake, headquarters. I thought I saw something, but it's all clear. Tac. On l'emballe dans le paquet cadeau. Là, les caméras sont à nous. Alors, je passe vite. Hein. Alors, pour plus que vous ayez de caméra, faut passer vite. Là, il n'y a rien. Là, il y a un flic qui monte. Là, il n'y a rien. Là, il y a un gars qui arrive par là. Là, je ne le ferai pas parce que c'est trop long ou j'utiliserai la carte que j'ai eue. Mais je pense pas que je le ferai. Y a rien là. Y a rien là. Y a le flingue là. Donc on va faire ce que je sais faire de mieux, balancer les sacs, comme ça les sacs sont en bas, voilà déjà beaucoup plus vite. Pour voir s'il venait vers moi en fait. Hop. Ça fait 4 sacs. Si je pouvais avoir le fusil, ça m'en ferait 5. Je suis un peu stressé parce que ça fait un moment que j'ai... Voilà pourquoi j'aime pas faire ça. On va déplacer le cadavre. On prend le sac avec le fusil. Vu que les caméras sont avec nous, on a de la chance. Je sais pas ce qu'on dit là. Aïe. Alors, le sac. Mortuaire, on le fout là. Alors en temps normal, le sac mortuaire, je le mets pas là. Je le mets à la tyrolienne, mais vraiment au dernier moment, comme ça on est tranquille. Serveur. Ça fait 6. Je pense pas qu'on arrive dans 15 minutes. Ouais, si, normalement, normalement je fais des parties avec 15 sacs. Mais bon, avec 15 sacs, quand tous les trucs sont pleins. Quand on est à plusieurs, parce que là je suis tout seul, mais là normalement on devrait pouvoir y arriver parce que normalement là avec tous les sacs là il m'en reste deux, normalement un, donc ça fait 4, 5, 5 sacs, il en reste deux. Bon, ça devrait être bon. En temps normal moi je fais le coffre-fort parce qu'il y a un coffre-fort dans cette partie. Et il y a l'armure Namunaga, comme il
l'indice, donc de ninja. Donc en fait il faut récupérer tous les morceaux, sauf que en fait une fois qu'on a ouvert la porte, les flics, une fois qu'ils ont vu la porte ouverte, ils signalent qu'il y a quelqu'un, un intrus ou quelque chose qui va pas. Donc à partir de là, la mission est finie quoi. Punaise. Allez, monte un moulouk. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Michael Jackson. Prends la cocaïne. Viens, baisse-toi. Alors, par contre, les sacs, je les mets pas dehors, je les mets juste vers la porte, comme ça, je ferai juste des allers-retours. Alors, chacun a sa façon de faire, hein. Moi je fais comme ça, vous faites d'une autre manière. Je vais pas vous dire de faire comme vous, vous le sentez. Là, j'ai failli me faire avoir. Donc là, il me reste deux sacs, donc je vais aller les poser comme ça. J'ai les sacs de mie, comme ça je suis tranquille. Bon, c'est pas très. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, quoi que ce soit. C'est plus du discret, donc il y a plusieurs trucs, donc des bijouteries, après il y a des DLC, tout ça, mais il me propose de partir, mais je veux pas partir, moi, je vais essayer d'en faire un peu plus. Watch out, guard. Il y a un garde là. Où il va habiter? Mickey, tu vas où, Mickey? On the ground. Hey, they're gonna bring in the big guns if you kill civilians. Freeze. Drop your gun. Bon, bah là c'est se faire voir. On fait un peu de bruit. Hein. Bon, ça on récupère pas. Donc par exemple là, on a 1 minute pour se barrer. Donc en temps normal, je pourrais presque faire ça. Fouiller ça, comme ça. Quand on connaît bien le jeu, voilà, c'est... Alors comme vous le voyez, mes coéquipiers m'ont aidé, donc voilà. Là, le sac il va dedans, comme ça, ça fait. Voilà. Avec succès, bon, en temps normal, je me fais pas choper, mais là, vu que j'avais pas vu le civil, donc bah, je me suis fait avoir. J'avais pas vu le civil, c'est ça le problème. Donc voilà, bah, petite vidéo, pas trop longue, voilà. Donc, c'était The Phoenix, abonnez-vous. Mettez la petite cloche de notification, laissez des pouces bleus, faites partager, puis ben c'était sur Payday, un jeu où je passe quand même un bon moment dessus, puisque je suis à plus de 32 millions d'argent, et je n'achète rien, j'achète rien de tout le jeu, hein. Après on a le compte offshore, où on peut avoir soit des masques, soit des couleurs, soit des trucs un peu variés, des armes et puis tout ça. Comme vous le voyez en bas, marqué en bas, j'ai 32 904 800 et des bananes. Le compte offshore, voilà. Bon, le compte offshore, j'utilise beaucoup plus parce que le compte offshore, c'est dans le garage en fait, dans la garage. Ah non, c'est pas là, c'est où? C'est dans... Ah oui, c'est dans là. Donc par exemple, on a les modifications.
modification d'armes, les masques, les matériaux, les motifs, les couleurs. Quantité affinée. Après, par exemple, si on veut masque, matériaux, motif, si on veut un motif et puis qu'on veut trois cartes, on fait là. Pourquoi? Ah oui, X. Payer les frais. Là. On choisit, c'est la même carte. C'est le même symbole, sauf que les choses ne sont pas bois, soit quelqu'un, B, soit quelqu'un. Ok. Le truc qui ne vaut rien du tout. Parce que, bon, on va essayer sans... on va peut-être pas essayer un matériau. On va prendre la troisième carte. Une carte à l'arrache, s'il vous plaît. Peau de banane. D'accord, ouais, bon, bah d'accord. Truc à la con. Bon, bah les gens, c'était The Phoenix sur Payday. Abonnez-vous, faites le nécessaire.